Bon voilà, petite suite. Du coup, ce sera Dublin 60 qui fera un 70. Voilà, alors du coup, bah là c'est serviette et peignoir de bain. Voilà. Deux gros peignoirs de bain. On va bien le mettre comme ça à plat. Des grandes serviettes et deux gros peignoirs de bain. Voilà. Du coup, ce qui fait une bonne grosse moitié de machine bien passée. Bon, du coup, Ariel Pro. Et regardez, après l'avoir fait tourner hier, avec l'Ariel Pro, ça l'a rendu nickel. Mais franchement, propre, neuf. Voilà, quelques petites traces. Voilà, quelques petites traces, mais qui vont partir là. Là, je vais mettre un petit peu, c'est de as blanchissant pour désinfecter un petit peu. Voilà. Voilà, on peut voir quelques petites traces là qui partent. Hop, ben, j'ai la brosse à dents. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, ici. Là. Voilà, il n'y a plus rien. Alors du coup, mise en eau. Et voilà, je pense que ce sera bon, mise en eau et première lessive. Enfin, c'est encore, c'est même pas une première lessive. Voilà. Allez. Du coup. Ouais. Un petit 50 qui fera un 60. La mise en eau est faite. Mise en élec. Voilà. Et c'est parti. Un petit peu ça parce que ça fait un petit peu désinfectant, ça désinfecte aussi, il blanchit mais désinfecte aussi, et comme les peignoirs de bain c'est quand même assez sale, pour voir. Et là pourtant il n'y a pas de lessive mais ça mousse. Bon, on va mettre un peu de ça. Pour le lavage, je vais mettre un petit peu de ça. Voilà, très peu, ça ira largement. C'est histoire de surtout désinfecter. Tire un petit peu le morceau de calcaire. Thank you.
Là, par contre, j'entends bien le bruit qui est complètement différent. Allons. Thank you.
Ouais, c'est déjà rempli. C'est déjà rempli. Ah là, par contre, il en a mis moins. Là, il en a mis moins. Là, c'est lui. Hein ? Je sais pas. Parce que là, j'absorbe plus d'eau, peut-être. Ouais. Peut-être parce qu'il commence à se rôder. Ouais, aussi. Ah, c'est peut-être avec le thermostat. Qui a chauffé, il a déjà en chauffe. Ouais, chauffe. Les 50 degrés, ça va pas bouger. 20 degrés. Ouais. Bon, ça fume. Attends, je vais me mettre sur un aube. Ouais. Voilà. Posi stop. 53. Mon petit. Ouais, 53, c'est pas mal. Il était à 50. 50. Ouais. En fin de compte, ça fait bien cette température. Ouais, ça va. Ça dépend de la position du thermostat en fait. Ouais. Cette température et il n'a pas bougé, j'ai pas bougé de route. Hein. Il n'a pas beaucoup de mousse, ça va. T'as mis l'autre lessive là ? Non, la réelle. La réelle pompe. Tu en as mis un peu moins. Ouais, j'ai mis en fin de compte une boule complète pour le prélavage et lavage. Ah oui. Bon. Après, comme il y avait seulement que la moitié, c'est largement suffisant. T'as fait un prélavage ? Ouais, toujours. J'ai pas fait gaffe. Si, si. Toujours. Je fais jamais de lavage normal, toujours avec un pré. J'ai pas vu les orages. En pré-lavage ? Ouais. Il y en a pas. En pré-lavage, elle fait pas de... Ah non, elle fait au premier rinçage. Ouais. Elle sort au premier rinçage. Refroidissement de lavage.
voir les sons. Allez, où? Sauter quand t'as la dégueulasse de partout. Putain. Excellent. Non. T'as comme la dégueulasse de partout. Je t'en vais faire monter. C'est ça en fin de compte qui les fait pourrir parce que t'as l'eau qui se met entre la manche. C'est ça. On l'a déjà fait. Pour mettre une ligne d'or en métal, là, pour faire le charnier. Ouais. Ça permettra de s'éviter que ça dégueule. Ouais. Essorage intermédiaire. Je pense que celui-là il va être pas mal. Quasiment aucune piste. Par contre, le chrome, il est resté nickel. La pompe, elle commence à se rôder. T'aurais vu, et jusqu'à t'avais ça, tu voyais même plus les ailettes. Ça a été, elle a été bouffée de couche comme ça dedans. Thank you.
commence un peu à... Ah, ça y est, voilà. Ça va pas tout seul. C'est bon. Ouais, il faut le temps. Fais le temps, en fin de compte, qu'elle se... Franchement, ce tambour-là, il me fait halluciner quand même. Je suis un petit con. Let's go. Alors, quatrième brassard. Toujours avec la vasite amenée, je me mets là. Ça évite que s'il y a un faux contact ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'il puisse rechauffer après, de toute façon ton contact de prog chauffage, il n'est pas sur un sac, je pense pas. Normalement. Là, je fais comme Obélix. Panoramix. Ah, voilà, Panoramix. Obélix, il n'a pas droit. Il tombait dedans quand il était petit. Ouais. Du coup, il est mis en régime sec. Voilà,
filme. Ah, tu filmes, tu filmes. Cool. Une petite, petite potion magique. Voilà, histoire de que tout puisse se regonfler en énergie. Tac, non, c'est pas évident. Ah, c'est moi.
traverse avec le bras. En même temps pour renforcer. Parce que sur les 834, nous aujourd'hui sur les 120, mais pas sur les grosses. C'est ça qui est dommage. Les 220, peut-être de la vitesse, pour ça. Ça ressemble à la petite boule de l'or. Ça, moi, c'est parce que c'est calculé. Moi, c'est calculé systématiquement. Ah, t'as vu les petites billes de l'énorme, elles sont là. Ah, c'est bien ça. Après, c'est bien quand t'as un bon volume d'eau et tout ça, ça se dissout bien. Thank you.
du mal à vider. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Quand elle a du mal à réamorcer quand le tambour est bouge beaucoup, je pense. Ouais. Je pense qu'il faut juste un peu sur la tombe, c'est ouais. Et bah faire comme certaines qui. Rigole pas. Ouais. Comme certaines qui font par intermittence. En fait, ouais, on pourrait faire ce genre de truc. En fait, faut pas couper très longtemps. Ouais, juste de quelques secondes, deux secondes. Comme sur les grosses, hein, comme sur ceux-là, enfin sur toutes les machines, ils coupent et ils reprennent. Comme oui, ça permet. Ça fait des petites profilettes de pas du tout. Ouais, ça, bah, après, ça va pas de débit non plus. Quoi. Ah, 6 minutes quand même. Ouais, c'est à peu près 6 minutes les orages. Après, je sais pas si au niveau des sélecteurs, au niveau d'ici, si ça éclaire beaucoup ou pas. Du quoi ? Au niveau des sélecteurs ici, au niveau synthétique ou quoi que ce soit, quand tu changes, bah en fragile, t'as pas d'essorage. T'as pas d'essorage ni intermédiaire ni final. Oui. Mais au niveau synthétique, je sais pas si ça change beaucoup ou pas.
Non, bah, je regarderai sur le diagramme ce que ça dit. Je crois qu'en synthétique, t'as pas de soir ajouté à dire. T'as que le final, il me semble. Non, t'en as quand même. T'en as un, parce que sur le 422. Ça te saute des rinçages, ça c'est sûr. Oui, normalement deux. Ça vaut rien, c'est une bouteille. Enfin, c'est juste ça en fait. J'ai essayé pour celle-ci, pour la grosse, mais personnellement j'en suis déçu. Ça vaut rien. Rotation en avant, normalement c'est la fin. Ouais. J'ai remarqué ça, le petit déclic sur le prog avant que ça le fasse. Putain, t'aurais celle-là, tu l'as pris avec toi les jours. Je sais plus si une ou deux rotations en avant, je promets que c'est même deux. Ouais. Voilà. Là, ça va être la fin. Putain, cool. Non, posi stop les gars. C'est parce que j'étais à côté. Voilà, ça y est, posi stop, c'est fait automatiquement. Voilà, on va voir la qualité de la vache. Bon, Seigneur, il est tout neuf le truc, on dirait qu'il est sorti du magasin, quoi. C'est même sec. Ouais, c'est sec. Ouais, c'est tout sec. En temps un peu marseillais, on peut dire que c'est sec. Voilà, c'est sec. T'as même plus besoin de là, tu peux directement remettre dans l'armoire. Hein. Et à trouver sec. Comme... Voilà. Bon, c'est sec, on pourra dire. Voilà, en temps marseillais. Neuf qu'il est le bordel. Allez, à bientôt.